Et on a ici l'acteur qui joue dans El Mundo de demain, Le Monde de demain sur Arte, série exceptionnelle, acteur exceptionnel, Anthony Bajon. Et j'aimerais qu'on regarde le recommandé, on en parle après, avec deux légendes du hip-hop français, Cut Killer et Sher du magazine Get Busy. Allô ? Oui, j'appelais pour savoir, vous cherchez toujours un DJ ? Ok, alors moi c'est Daniel. Allô ? J'ai vu le futur là-bas. Les DJ, ils font tout avec rien, ils réinventent tout. C'est une énergie, c'est un flash dans la gueule. T'as jamais vu autant de noir à la télé. Hein. À mon avis, ça va péter là. Mais t'es qui toi, Miss Météo ? Sinon, on va pas retourner sur le dos comme des guignolos là, c'est quoi le projet ? Tu mets pas mon nom sur les murs du quartier, hein ? Ça va pas ou quoi ? C'est pas ton nom, c'est le mien. C'est pareil, tout le monde sait qui c'est Vivi. C'est clair que je pourrais pas me planquer derrière un bureau. Je pourrais pas faire un métier de vieux, tu vois. Décide de ce que tu veux faire. Tu vois, comment il faut se battre pour avoir une toute petite place. Je vais enregistrer un disque avec un pote. Le premier album de hip-hop en France. Pourquoi il chante ? Il est 15h, là. Les coqs, ça chante le matin, non ? Enculé ! Ça vous dirait pas de continuer à danser, mais en gagnant de l'argent ? Alors c'est quoi l'embrouille, là ? Quoi le projet, maintenant ? Le projet ? C'est conquérir Paris, mon pote. Deux personnes légendaires avec nous pour une série de légendes. Le Monde de demain, c'est la série qui retrace le parcours de NTM. Anthony, tu as joué Kool Shen. Je suis avec deux personnes qui font partie de l'histoire du hip-hop français. Cut Killer. On est très dans le clou. L'un des premiers DJ hip-hop en France qui a démocratisé la mixtape, les compilations, les soirées, qui a fait le tour du monde, plus que le tour du monde. Sans Cut Killer, il n'y aurait pas DJ Snake. Sans Cut Killer, on ne serait peut-être même pas là, parce qu'il y a des gens qui sont nés sur des soirées de Cut Killer. On a commencé avec Dynasty déjà. Voilà, ça a commencé avec Dynasty, à qui on rend hommage dans la série. Et je suis très fier d'avoir Sher de Get Busy, je vous le dis. S'il ne devait retenir... Dans l'histoire du hip-hop français, si on devait garder un journaliste rap, ça serait Sher de Get Busy. Ça a été le premier vrai fanzine hip-hop. C'est les mecs les plus authentiques qui ont écrit la plus belle histoire. Et l'anthologie Get Busy est disponible. Je vous dis à quel point ce type-là a construit les bases. Et tous les journalistes hip-hop devraient rendre hommage à Sher. Et c'est le premier qui a filmé une émission à la télévision. C'était sur Click pour rendre hommage à nos anciens. C'était l'émission Get Busy. Et aujourd'hui, il y a même une série maintenant sur Arte. Ça y est, on commence à raconter l'histoire du hip-hop en France. Et cette série, Le Monde de demain, c'est l'histoire de NTM. Toi, tu joues Kool Shen. Ouais. T'es d'une autre génération que la nôtre. Nous, on est des yeux, hein, clairement. Comment est-ce que toi, t'as pris ce rôle ? Est-ce que tu connaissais NTM avant ? Est-ce que... Parce que toi, t'as pas grandi avec NTM. Non, mais d'abord, la série, elle est sortie. C'est important de préciser. Il faut savoir qu'en off, il dit, elle sort quand, là ? Non, c'est plutôt c'est frère, il est complètement alcoolique, ça se voit. non, il est tunisien, il est tunisien. C'est quoi la question de nous ? Hey, il est encore dans le rôle de Kool Shen. Ah ouais, on dirait Kool Shen à l'époque. C'est parce qu'il a pété un câble avec mon studio. Ouais, j'avoue. Il a tourné un café comment, fort. Ah ouais. Comment est-ce que toi, t'as découvert NTM ? Comment est-ce que t'as préparé le rôle de Kool Shen ? Est-ce que tu connaissais pas ? Je vais me tourner, frère. En vrai, NTM, j'ai découvert parce que j'ai compris que c'était les papas de mes rappeurs préférés. Mm-hmm. J'ai compris que c'est eux qui avaient inspiré tous ces mecs-là et que Dynasty était pour quelque chose aussi. Moi, j'avais un rapport assez lointain avec NTM. En vrai, moi, je connaissais uniquement Joey Star de Kool Shen, alors qu'il y a non seulement Kool Shen, mais aussi DJ S, qu'on connaît encore moins. Et on raconte un peu dans la série la manière dont il est un peu évincé au fur et à mesure. Et pour rentrer dans sa peau, en fait, on a fait beaucoup de visio, on a essayé de se capter. On a une grande passion commune qui est le foot. Donc on a beaucoup blablaté de foot. Et puis, au niveau de la personnalité, on a un truc un peu pareil. On est vanneur, mais on est assez introverti. Donc j'ai essayé de capter ça de lui et d'essayer de m'imprégner. Et voilà. Comment est-ce que toi, de ta génération, tu vois leur génération ? Parce que pour moi, Sher, Cut, c'est des mecs avec qui j'ai grandi. J'ai été journaliste parce que j'ai lu Get Busy. Mais comment est-ce que toi, tu la vois, cette génération ? Qu'est-ce qui change par rapport à la tienne ? Ben, en vrai, j'ai côtoyé Didier et tout ça, et il y a vraiment ce truc de liberté. Joey Star, tu veux dire ? Ouais, il a un prénom. Joey Star. Star. C'est le prénom de Joey. Il y a vraiment ce truc de liberté à mort. Après, avec le temps, il y a eu plus de restrictions et la manière dont les jeunes ont vécu a été un peu différente. Je retiens surtout ce truc-là. En plongeant dans la série. Sher, t'as vu la série ? Je l'ai regardé hier soir exprès. Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Dis la vérité, Cher, il dit toujours la vérité. Bah, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a peur, qu'est-ce qu'il a peur? Non, pas du tout, non. Il est habitué. Mais, alors, tu sais, moi, j'ai toujours un problème avec les biopics, parce que quand c'est des gens vraiment que j'ai admirés, je peux pas voir quelqu'un jouer Mohamed Ali, je peux pas voir quelqu'un jouer Bruce Lee ou James Wan, quoi, tu vois. J'irai jamais voir ce film-là. Alors, des gens que t'as côtoyés, en plus, vraiment, de près, c'est bizarre, quoi, tu vois. Mais je me suis laissé prendre, quand même, par moments, quoi. Pas tout le temps, mais par moments. Donc, il y a des trucs, quand même, qui sont... Le petit moment toujours, mais bizarrement, c'est une série sur NTM et je trouve que le héros de la série, c'est Dynasty, en fait. Mmh. Et ça fait plaisir de rendre hommage à Dynasty. Je trouve que c'est le truc le plus cool de la série. Ouais, bah, ce qu'on avait fait aussi sur ta chaîne. Mmh. Clip. Arrête. Et voilà, on lui avait quand même consacré 3 heures. Je vous dis, vous êtes la seule émission de télévision, le premier qui a donné de la place aux anciens pour raconter le hip-hop, c'est Cher de Get Busy. Cut Killer, toi, t'es dans un moment où tu sors un livre. Il commence à y avoir une série sur NTM, il y a eu un film sur NTM, on commence à faire un petit peu comme aux États-Unis où il y a eu le film WA, il y a eu également plein de biopics sur des rappeurs. Est-ce que tu penses que toi, ton histoire aussi, on peut la raconter, Cut ? Au cinéma ou en ouais, série ? Partout, n'importe où. Je ne sais pas encore, là, pour l'instant, je viens de sortir juste un livre. Hein. J'imagine pas que les NTM avaient conscience que leur histoire serait réalisée un jour. Toi, à l'époque, tu les fréquentais tout le temps. Est-ce qu'il y avait cette conscience-là qu'un jour, on leur raconterait cette histoire ? Pour être précis, on ne se fréquentait pas tout le temps. Ouais. Mais en fait, pour revenir au-delà de tout ça, c'est évidemment qu'on n'aurait jamais imaginé tout ça. Mm. Pourquoi il y a des histoires qui se racontent aujourd'hui ? Ça fait 40 ans qu'il y a du hip-hop en France. Mm. 40 ans. Tu te rends compte ? Donc c'est presque au moins 3 générations. Là, tu dis que lui, c'était ses parents. Toi, c'est les grands-parents presque maintenant. Mm. Tu as des grands-parents dans le hip-hop. Donc tu as 3 générations. Donc effectivement, 40 ans d'une musique que tout le monde regardait de loin et de haut en se bouchant le nez. Aujourd'hui, t'es la musique numéro 1. On est même obligé de faire des taxes spéciales parce que tellement à tout prix. Donc, effectivement, il y a plein d'histoires, il y a plein de parcours hallucinants. Mais ni Cut, ni NTM, ni personne n'aurait imaginé que ce truc deviendrait ce qu'il est devenu et que nous-mêmes, on aurait ces vies-là, en fait. Quoi. On ne sera pas douté, en fait. Finalement, ouais. On voit les biopics aux États-Unis. On se disait qu'il y avait quelque chose à faire en France. Mais on avait parlé de la mafia Kafri, d'NTM, d'IAM, toujours, à chaque fois. Mais on se disait, mais est-ce qu'on va pouvoir y arriver comme les Américains ? Mais c'est vrai que c'est très technique. Hein. Le monde de demain, aujourd'hui, c'est un exemple, puisque c'est la première série sur cet environnement. Tu l'as vu, la série, Cut ? Oui, mais... Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Moi, je suis encore... T'as travaillé dessus ? Ouais, t'as gagné du bif ? OK. Ah, c'est pour critiquer ou tu peux... Non, d'une certaine manière, parce que je me suis retrouvé, en fait, en parallèle sur le Suprême, quand je faisais la musique de film. Tellier qui sont venus pour travailler avec Didier à la maison. Et puis, on a parlé de cette série. Et puis... Dans la foulée, on s'est retrouvé justement avec Anthony et puis les protagonistes avec Cool Chain aussi en studio pour essayer de remanier quelques séquences avec les protagonistes pour pouvoir avoir un espèce de son juste par rapport à l'époque. Et qu'est-ce que ça vous fait à vous de voir la série ? Est-ce que ça vous met un coup de vieux ? Ou est-ce que ça vous met dans une nostalgie positive ? Ah, comme dirait Cher, c'est technique parce que comme on l'a vécu, on se dit « Ah mais c'était beaucoup plus hardcore, c'était beaucoup plus rough ». Là, ça va, ça cesse de regarder, mais pour nous, protagonistes, on regardait Nova, on était là, mais c'était pas comme ça. Mais ça va, ça retrace pour quelqu'un qui connaît pas, pour le coup, quelque chose qui donne l'environnement et la direction de ce qu'on était, en fait, à l'époque. Et franchement, ça le fait, hein, franchement, le monde de demain, ça passe. Il y a un sujet qui préoccupe plein de gens qui sont fans de rap, c'est la transmission. Quand tu dis... Les rappeurs de mon époque, j'ai dû creuser pour savoir c'était qui les anciens. Est-ce que ce boulot, on doit le faire ? On est obligé de le faire. D'une certaine manière, parce que aujourd'hui, la jeune génération qu'on voit aujourd'hui en 2022, dans 20 ans, il va y avoir aussi des séries, des films sur cette génération-là. Et ça va aller encore plus vite. Mm. Mais justement, en regardant la série, enfin, le premier épisode, je me suis dit, c'est beau, c'est la naissance d'un mouvement. Et c'est très marginal au début. Mm-hmm. Et je me suis demandé, aujourd'hui, on était au balbutiement de quel mouvement, en fait ? Ouais, est-ce qu'il y a encore un mouvement ? Ouais, est-ce qu'il y a encore... Non, aujourd'hui... Excuse-moi, si tu peux permettre. Je ne veux pas tomber dans le truc du « c'était mieux avant », parce que chaque génération doit vivre son truc, et puis le truc a évolué, et c'est normal. Et par contre, il y a un truc qui était vraiment vieux avant, mais ce n'est pas de la faute aux jeunes ou ceux qui sont arrivés après. C'est comme tu dis, c'est la naissance d'un truc. Et ça ne se produit qu'une fois, c'est le Big Bang. Nous, on arrive, il n'y a rien, et il y a ce truc-là qui nous emporte complètement, très naïvement, plus parce que l'autre, il arrive, « Peace, unity, love, and having fun », c'est tout balourd, mais nous, on y croit. Ouais.
Et on est complètement emporté pour ça, et 40 ans après, voilà ce que ça donne. Et ça, pour donne, le quoi. Coup, la série le retransmet assez bien, même si vous adhérez peut-être pas au personnage, c'est non, ça. Non, on n'a pas dit qu'on adhérait pas. Ouais. Il a pris son billet. Il y a une petite... non, mais parce qu'on sent qu'il y a une petite... Mais c'est de l'ordre affectif, j'imagine. Voilà, c'est de l'ordre de l'affectif. Mais je trouve que pour la transmission, ça a quelque chose d'intéressant, c'est que les gens qui n'iraient pas spontanément aller écouter ces musiques-là, essayer de se renseigner, d'un point de vue historique même, tout ça est apporté pour la naissance du mouvement avec la série, je trouve que c'est assez subtil. Exactement. Après, le problème d'une série, comme toutes les séries, c'est qu'il y a une part de fiction, il y a une part d'adaptation, c'est pas un documentaire. Donc c'est tout ça. Après, moi, personnellement, comme c'est une histoire que, pour diverses raisons, j'avais mis de côté depuis plus de 20 ans, je l'ai regardé pour te faire plaisir, quoi, parce que sinon, moi, je voulais pas le regarder. À toi, Mouloud, l'époque, c'était un mouvement. Aujourd'hui, on est plus dans une configuration rap. Donc, c'est un business. C'est pas... Non, parce qu'on l'a voulu, nous aussi. On arrivait, il n'y avait rien. On se disait, un jour, on va y arriver, on va être commercial, entre parenthèses, et populaire. Aujourd'hui, le rap est populaire, mais on se rend compte aussi que des vernissages de graffiti, la danse va carrément aux Jeux Olympiques. Donc finalement, le mouvement hip-hop, il a grandi. Et que nous, on est ici. Exactement. Oui, ouais. Surtout aussi. On vient de la presse rap et on est là. C'est ce que je dis toujours, le hip-hop a gagné partout, en vérité. Ouais. Alors après, on ne tient pas encore toutes les manettes, malheureusement, mais le hip-hop a gagné partout. Dans tous les domaines, il a gagné. Anthony, tu as un trop beau mulet dans la série, c'est incroyable. Non, mais moi, je trouve que... Vraiment, Anthony, je te le dis, je suis assez franc, j'avais peur de voir comment on va faire des rappeurs qui existent. Et tu as très bien fait Cool Chain, j'aimerais qu'on regarde un extrait. On avait très peur aussi. Bon, hey, on part dans 5 minutes, hein. T'es prêt, là? Oui. Bref. Comment je fais tes stocks? Vous jouez contre qui, aujourd'hui? Ivry. Banlieue sud, en plus. Vous allez me les niquer, ce connard. Bon, Lionel Richie, tu crois que je vais pour perdre, ou quoi? Mais c'est ça, pas pitié pour les braves. Gilles, tu peux me dépanner 20 balles? 20 balles? Pourquoi? En fait, je vais m'acheter un lino pour de la danse. Tu veux que je t'achète un tapis pour faire la ballerine? Non, c'est pas de la danse comme tu crois. C'est autre chose. Je t'expliquerai. Tu peux me filer 20 balles? Vas-y, explique-moi. Allez. Non, tu peux me filer 20 balles ou pas? Oui ou non? Juste, oui ou non? S'il te plaît. Alors on dit demain? Très bien. Ok. Anthony Bajon. Laissez-le parler, s'il vous plaît. En fait, je comprends quand les puristes voient ce truc-là et qu'il y a un peu de retenue, parce que c'est vrai que... les metteurs en scène, Catel et Hélier, eux, ils ont voulu raconter un peu la naissance du hip-hop en France, qui existait déjà de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il y avait aussi ce côté un peu pied nickelé. Et en ça, j'entends que... le côté sombre, il existe moins que la réalité. Non, mais c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que j'aime bien dans la série, c'est qu'on voit qu'NTM, c'était des punks. C'est des punks de banlieue. C'est ça. Et vraiment, nous, on a vraiment accentué... Enfin, les metteurs en scène ont vraiment accentué sur le côté, ils étaient en galère... Ça gaulerie très fort et tout. Toi, t'as choisi un extrait où on voit Anthony rapper. Oui. Allez, on regarde. Ah, tu verras. Je n'ai que trois ingrédients, le Mistral, mon micro et ma formule secrète. Ok, après assassin. Solo. Ok, le professeur Cool Chain. Encore une ascension, une nouvelle expression. Suprême NTM encore et toujours en action. Sur Nova, je suis bien, je fonce des j'aime ça quant à toi. Toi qui m'écoutes, je retire de ton crâne maintenant le dernier doute. Bois mes paroles et retiens-les bien. Car je détiens enfin dans mes mains la solution pour guérir tes maux de tête. Je t'envoie ma potion. C'est une potion anale. Elle est fatale, elle fait mal et garde donc ton trou de balle. Ça s'appelle une sodomie verbale. Freestyle mythique de Radio Nova que moi je connais par cœur. T'as dû l'apprendre par cœur. Est-ce que tu te rappelles encore des rimes? Tu peux nous faire un Cool Chain? Ouais. Là, je me rappelle plus de rien, en vrai. Il part de loin. Mais là, quand on voit la scène, là, vous savez pas, au départ, c'était très technique, en sachant qu'il y avait Cool Chain dans le studio. Joey, qui à un moment donné était ah, mais non, mais toi, tu peux pas, c'est pas possible. Et il avait une pression de ouf. Et quand on voit le résultat, je te dis franchement, c'est une dinguerie. Parce que là, ils s'en sortent bien par rapport au début. Et puis en fait, pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a un truc où le rap est hyper accessible aujourd'hui. Un mec qui a un Mac est capable de faire du son. Avant, il y a un truc très excitant où les mecs étaient là, ils disaient, vas-y, mets juste ce sample, 2 secondes. Et il y a vraiment un truc d'essayer aujourd'hui. En tout cas, Anthony, c'est très bien raconté dans la série Le Monde de Demain. Merci. Il était très bon dedans. Juste une question, vous répondez on clique ou clique pas sur Le Monde de Demain? On clique? Oui. Ah ouais. Oui. Clic. Double clic. Double clic. Sure. Oui. Clic. On clique. On clique.
On clique. On clique. Et ben voilà, on clique.